C'est le journal par ici, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue. Au sommaire de l'actualité, plusieurs décisions sont issues du Conseil des ministres de ce mercredi 30 octobre 2019. On peut citer, entre autres, la mesure d'urgence pour la gestion du déficit d'enseignants à la maternelle et au primaire. Vous aurez les détails dans un instant avec le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Alain Orunla. À suivre également dans cette édition la conférence de presse sur le bilan des 100 jours d'exercice de la 6e mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Les conseillers ont profité de l'occasion pour exposer aux hommes des médias les perspectives à long et à court terme. Et puis, la Société financière internationale, membre du groupe de la Banque mondiale, a officialisé hier, mercredi 30 octobre 2019, l'ouverture de ses bureaux au Bénin. Il s'agira pour elle de financer les petites et moyennes entreprises. Cela s'est traduit par une cérémonie fort simple qui a connu la participation de hautes autorités béninoises. Images et sons dans une dizaine de minutes. Voilà pour les grands titres de cette édition. Restez avec nous pour le développement. Et nous ouvrons cette édition par cette actualité. Les députés à l'Assemblée nationale devraient étudier les propositions de loi relatives aux recommandations du dialogue politique tenues les 10, 11 et 12 octobre 2019. Depuis Porte-Novo, nous allons prendre les nouvelles de l'ambiance qui prévoit à l'hémicycle. Et pour l'exercice, Dieudonné Babatoundé est en direct dans ce journal. Dieudonné Babatoundé, bonjour. Allô, bonjour Éric Coupelli, bonjour aux amis téléspectateurs de ETL. Alors, dites-nous quelle est l'ambiance qui prévoit actuellement à l'Assemblée nationale. Il faut dire que les travaux sont en train de démarrer ici. Avant que cela ne démarre, on avait constaté un branle-bas, un va-et-vient dans la cour. On a constaté de part et d'autre des députés qui étaient inconsciables, on va dire, quand on se refait un peu à l'ordre du jour, quand on se refait à tous ces dossiers qui passeront à l'ordre du jour. Cela est bien normal. Ces petites réunions, ces petits groupes qui se réunissent pour encore discuter parce que l'imminence des dossiers à traiter en valait la peine. Alors, tous les députés sont présents à cette séance plénière? Oui, les députés ont répondu en majorité à cette séance plénière convoquée par le président de l'Assemblée. On va dire que ce jeudi 31 octobre 2019, ce qui se joue ici, c'est un nouveau soleil qui pourrait se lever pour tout le peuple béninois. C'est un virage décisif et très important du Bénin qui se joue ici au palais des gouverneurs. La plénière va s'appuyer plusieurs points, notamment cet amendement de loi, ce projet d'amendement de la loi fondamentale qui nous a dit, la révision de la Constitution, entre autres, ce sont les dossiers inscrits. Et la plénière a démarré avec beaucoup de retard, plus de 2 heures de retard. Ils viennent de démarrer le président de l'Assemblée et de faire son entrée ici à l'hémicycle à 12h50. Il a passé la parole au premier secrétaire parlementaire pour faire un compte-rendu sommaire de la plénière dernière qui a été suspendue. Il s'agit bien de cette plénière du mardi qui avait dû prendre connaissance par les députés de cette proposition de loi à étudier en urgence. Alors, Dieudonné Babatoundé, est-ce que les fruits tiennent vraiment la promesse des fleurs? Est-ce qu'on peut espérer? Pour l'instant, on ne peut rien dire de ce qui se passe. Les députés se sont bien installés. On est à l'étape de la lecture de ce compte-rendu. Comme je vous le disais, les députés sont assis, attentifs, à l'écoute de ce compte-rendu. C'est bien après cela qu'on passera à l'ordre du jour. Mais l'on sait déjà plus ou moins que cet ordre du jour va comporter les propositions de loi relatives aux amendements du dialogue politique. Merci Dieudonné Babatoundé. Restez là pour nous. Nous aurons sûrement le compte-rendu de cette séance plénière dans nos prochaines éditions. On en vient maintenant au conclave gouvernemental. Plusieurs décisions sont issues du Conseil des ministres de ce mercredi 30 octobre 2019. On peut citer entre autres la mesure d'urgence pour la gestion du déficit d'enseignants à la maternelle et aux primaires. On écoute à ce sujet le ministre Alain Orunla, porte-parole du gouvernement, pour plus d'explications. Le gouvernement poursuit l'assainissement du secteur de l'éducation, confronté entre autres à un déficit chronique du personnel enseignant. En vue d'un règlement durable de cette situation et aux fins d'assurer un meilleur encadrement des apprenants, une base de données des aspirants au métier d'enseignant a été constituée. En apportant une solution d'appoint à la même préoccupation dans le secondaire, le Conseil des ministres avait, le 11 septembre 2019, décidé qu'une solution similaire soit également appliquée
au sous-secteur du primaire et de la maternelle. Du rapport du comité mis en place à cet effet, il se dégage un déficit de 9095 enseignants au primaire et de 1068 animateurs à la maternelle. Prenant en compte l'effectif de ceux qui, d'ici 2022, seront appelés à faire valoir leur droit à une pension de retraite, ainsi que les besoins induits par l'augmentation potentielle du nombre d'apprenants, le déficit en enseignants s'établira à 18 140. Pour le compte de l'année scolaire 2019-2020, les besoins spécifiques à la prise en charge optimale de cet écart se chiffrent à 10 686 enseignants. Aussi, afin de combler définitivement ce déficit et d'améliorer la qualité de l'enseignement, le Conseil a-t-il autorisé le recrutement par l'intermédiaire de l'Agence nationale pour l'emploi, ANPE, d'un nombre équivalent d'enseignants suppléants au profit du ministère des enseignements maternels et primaires. Ceux-ci proviendront, par ordre de mérite, de la base de données des aspirants au métier d'enseignant constituée des candidats ayant subi avec succès en 2018 l'évaluation des compétences des titulaires d'un diplôme de l'école normale des instituteurs et de ceux issus de l'évaluation en 2019 des postulants titulaires de diplômes académiques. Autre décision de cette rencontre gouvernementale, il s'agit du compte-rendu de l'organisation du concours de recrutement de 80 auditeurs de justice, un concours où 12 sont déclarés admis pour les 80 places. Retrouvons une fois encore le porte-parole du gouvernement, le ministre Alain Rounla. Il a été procédé au lancement pour le compte de l'année 2019 du recrutement de 80 auditeurs de justice. Au total, 1850 candidats, dont 77 professionnels, greffiers et officiers de justice, ont pris part au concours les 5 et 6 octobre 2019. À la suite de la délibération le 28 octobre 2019, il s'est observé que, sur les 72 places destinées aux non-professionnels, seuls 11 candidats remplissent les conditions d'admission. S'agissant des professionnels, sur 8 places disponibles, soit 10% de l'effectif, un seul candidat est déclaré admis. Le nombre total d'admis est donc de 12 pour les 80 places mises au concours. Le Conseil s'est préoccupé de cette situation peu reluisante et saisi l'occasion pour réaffirmer aux postulants aux différents emplois publics que seul le mérite restera toujours le critère de choix des meilleurs candidats. Il saisit l'occasion pour les exhorter à mieux se préparer aux fins d'affronter avec plus de chances de réussir les prochains concours et ou tests de recrutement dans la fonction publique. Autre actualité dans ce journal, les membres de la direction exécutive de l'autorité du bassin du Mono ont été installés ce matin au détour d'une cérémonie qui s'est tenue à la direction générale de l'eau et des mines. À l'occasion, leurs différentes missions ont été reprécisées par le ministre de l'eau et des mines présent à cette cérémonie. On écoute un extrait des propos du ministre au micro de Mathilde Sabi et Paul Esther Saoussi. La promotion de l'autorité du bassin du Mono à travers la création d'un site web, la sensibilisation et l'information de la population sur la création, le fonctionnement et le rôle de l'autorité du bassin du Mono, la participation de l'autorité aux rencontres régionales et internationales, l'adhésion de l'autorité à des organisations régionales et internationales sur l'eau, la réalisation de l'analyse diagnostique transfrontalière du bassin du Mono, l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin du Mono, l'élaboration de projets et programmes structurants de développement intégré et durable du bassin. Et surtout, l'appropriation par l'autorité du bassin du Mono des dossiers sur des projets structurants existants déjà entre nos deux pays en matière de mise en valeur des eaux du bassin. Monsieur le directeur exécutif, vu l'étendue de la mission à vous confier ainsi qu'à votre adjoint, vous convenez avec moi que votre tâche ne saurait être du tout repos. Elle requiert de vous un sens élevé de responsabilité, de management et surtout de collaboration. Autant de qualités dont je vous sais déjà détenteur. Le compte rendu dans nos prochaines éditions.
En titre à présent, les conseillers de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication ont organisé ce mercredi 30 octobre 2019 une conférence de presse. Objectif, faire le bilan des 100 jours de cette sixième mandature et profiter pour exposer aux hommes des médias les perspectives à long et à court terme. Karine Adeni et Jean-Marie Kédolou pour le point. Ils viennent de faire 100 jours dans leur nouvelle fonction de conseiller à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. 100 jours, cela impose un bilan. Et c'est ce qui justifie cette conférence de presse organisée par la 6e mandature de l'institution. Le but est d'expliquer aux hommes des médias ses missions, mais aussi et surtout les prouesses faites pour l'atteinte de ses objectifs. La 6e mandature a organiser le séminaire d'appropriation des textes réglementaires de la RAC, définir les dossiers à étudier pendant la deuxième session ordinaire de l'année en cours, renforcer les actions de coopération bilatérale et multilatérale et à faire un état des lieux du paysage médiatique. Pour donner une nouvelle dynamique à la coopération entre l'institution et ses partenaires, le président Rémi Prosper Moretti et les conseillers de la RAC ont accordé une dizaine d'audiences à plusieurs personnalités du monde diplomatique et d'institutions internationales présentes au Bénin. Malgré toutes ces réalisations, la RAC compte poursuivre ses actions afin d'insuffler une nouvelle dynamique à l'institution à travers l'assainissement de la profession de journaliste. Prendre des mesures pour se conformer au renforcement de la couverture des télévisions privées issues du déploiement de la TNT, renforcer le système de monitoring des médias pour un meilleur suivi des contenus, mettre en place un cadre de veille permanent et de la protection de la liberté de la presse, développer une régulation de proximité qui permettra de veiller au respect de la déontologie et de l'éthique dans tous les types de médias, y compris ceux en ligne. Au regard de ces perspectives à court et à long terme, les hommes des médias n'ont pas manqué d'exprimer leurs différentes préoccupations. Des préoccupations auxquelles les conseillers de l'institution ont apporté des éléments de réponse. Il y a des journalistes qui ont témoigné dans cette salle que la carte est inutile. Vous voulez qu'on vous donne des cartes inutiles? Je ne crois pas. C'est dire que dans quelques semaines, les cartes seront prêtes, mais ce ne sont plus des cartes comme avant. Ce sont des véritables câbles qui vont servir et qui seront très utiles pour vous. Et vous serez fiers de les porter. La RAC n'a pas vocation à venir s'immiscer dans la gestion des entrevues de presse. Notre mandature est préoccupée par la question. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'organes fermes depuis un moment. Et je pense qu'ensemble avec les patrons de presse d'Afetière, je crois que nous allons trouver des approches de solutions. Nous avons initié un cadre de concertation, un cadre de réflexion, un cadre d'échange permanent entre les professionnels et nous. Je crois que ce cadre sera un cadre de veille. Les conseillers de la RAC ont pour fini exhorté les hommes des médias à plus de professionnalisme dans l'exercice de leurs fonctions afin de leur permettre de jouer pleinement leur partition pour le rayonnement du secteur médiatique au Bénin. Lancement d'un atelier de validation sur la stratégie nationale de développement de la riziculture deuxième génération. Le dit atelier qui rassemble les cadres du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche permettra de valider le document qui servira de boussole pour améliorer la filière. La cérémonie de lancement de la rencontre s'est tenue hier à l'InfoSec de Cotonou. Reportage Mathilde Sabi et Semiat Yesoufou. Un atelier de validation de la stratégie nationale de développement de la riziculture deuxième génération réunit ces hommes et femmes dans cette salle de l'InfoSec de Cotonou. L'instant d'une demi-journée, ils focaliseront leur attention sur le contenu de ce document. Ce que nous faisons aujourd'hui a une histoire, il y a une ancienne corde. Et c'est la nouvelle qu'on est en train de sacraliser aujourd'hui avec la validation de ces stratégies. Qui intervient dans un contexte particulier sur lequel je voudrais insister au moins quelques aspects. Et vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui, on nous a prescrit d'atteindre 1 million de tonnes d'ici 2022. Et c'est plus que le double de l'objectif initial. L'objectif ici est d'améliorer les programmes des chaînes de valeur RIP pour les rendre capables de contribuer
à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et au développement économique du Bénin. Avec tout cela, je comprends maintenant que le riz est un aliment très important pour votre pays et l'augmentation de production est vraiment attendue par la population. Donc, je souhaite que la SNDR 2 sera validée après l'échange au cours de cet atelier. La CAD est l'un des acteurs principaux des stratégies de développement de la riziculture qui sous-tendent les politiques et les efforts des pays africains en ce qui concerne la production du riz à grande échelle. La formulation de la SNDR 2 qui intègre le PNDF riz et le programme d'urgence du développement de la riziculture permettra de combler de facto ce vide et de saisir les nombreuses opportunités que la CAD offre aux pays membres, notamment la promotion des synergies, la mise en valeur des avantages comparatifs des institutions et l'engagement à promouvoir la sécurité alimentaire et l'autosuffisance dans le domaine du riz au Bénin. Cet atelier connaîtra la présentation des TDR et de la SNDR 2. Des débats s'en suivront, débats à l'issue desquels plusieurs recommandations seront faites et adressées à l'autorité de tutelle. La Société financière internationale, membre du groupe de la Banque mondiale, a officialisé hier, mercredi 30 octobre 2019, l'ouverture de ses bureaux au Bénin. Il s'agira pour elle de financer les petites et moyennes entreprises. Cela s'est traduit par une cérémonie fort simple qui a connu la participation de hautes autorités béninoises. Il s'agit notamment du ministre d'État chargé du plein du développement, de son homologue de l'économie et des finances, sans oublier les représentants du secteur privé et quelques partenaires techniques et financiers. Le point avec Elie Adjiran. Résolument engagé au Bénin depuis 1999, notamment dans les financements des petites et moyennes entreprises, le tourisme et l'eau, la Société financière internationale, membre du groupe de la Banque mondiale, s'installe finalement au Bénin et souhaite ainsi rapprocher ses services des entreprises privées à travers une assistance technique pour l'amélioration de l'environnement des affaires. Nous ouvrons un bureau sur place pour pouvoir travailler de façon beaucoup plus proche à la fois avec les entreprises du secteur privé, avec nos partenaires de développement, avec les entreprises, avec la société civile et évidemment avec le gouvernement béninois, afin de soutenir les efforts du gouvernement dans le cadre des réformes qui sont en train de mises en place. L'ouverture du secteur privé dans ce pays est une réalité et nous voulons la soutenir de façon beaucoup plus proche en étant ici à Cotonou. Cette décision arrive à un excellent moment pour nous parce qu'elle arrive en plein milieu des réformes que nous déployons en faveur du secteur privé. Le Bénin a fait un bond de 4 places d'après les derniers chiffres du classement de Doing Business, ce qui rassure et attire les investisseurs. Plusieurs réformes entreprises et qui sans nul doute apportent des réponses aux attentes des partenaires financiers et qui d'ailleurs orientent davantage leurs services vers le Bénin. Une initiative que le gouvernement de la rupture apprécie à sa juste valeur. Il y a quelques jours, et c'est peut-être une coïncidence, les chiffres de Doing Business ont été publiés et montrent que nous avons fait quelques progrès. Nous avons avancé de 4 points dans le rang. C'est un progrès qu'il faut souligner. Il ne représente pas tout à fait ce que nous souhaitons, parce que ce que nous avons réalisé ici mérite certainement davantage, mais nous prenons cela comme une façon pour nous de nous présenter un peu mieux et nous allons nous attacher dans les semaines qui viennent à le faire. C'est donc bien qu'en ce moment-là, nous ayons quelqu'un ici de la SFI qui puisse accompagner les équipes nationales qui travaillent là-dessus. Il y a plusieurs groupes de travail qui travaillent sur donc, l'environnement des entreprises, l'environnement des affaires. Et je suis certain que le cadre de la SFI, les agents de la SFI qui seront ici auront beaucoup à faire avec ces groupes de travail. L'inauguration du nouveau siège de la Société financière internationale ouvre ainsi de nouveaux horizons pour les entreprises privées. Il ne reste qu'à celles-ci de jouer résolument leur partition pour qu'ensemble avec les partenaires de cette société financière, le défi soit relevé.
Merci à vous, Elia Diran. Le ministre de la Santé, Benjamin Rumpati, et l'ambassadeur de Cuba près le Bénin, Iniel Linares, ont procédé à la signature d'un accord ce mercredi 30 octobre 2019. Il s'agit d'un mémorandum d'entente entre les deux républiques dans le secteur de la santé. Reportage Antonia Dossa et Aliou Anthony. Marquer une nouvelle ère de coopération agissante entre deux systèmes sanitaires est l'un des principaux axes de la signature du livre entre la République de Cuba et le Bénin. Ce partenariat marque le début d'une coopération dans le domaine de la santé. Trois secteurs prioritaires sont visés par ce présent mémorandum, à savoir la coopération médicale dans le domaine de la lutte contre les maladies non transmissibles, le développement de soins de santé primaire dans les hôpitaux et formation sanitaire et la formation initiale et continue des ressources humaines. Ces trois volets vont apporter un renforcement au système sanitaire béninois. Notons que le développement de ces trois domaines permettra de renforcer de manière significative le système de santé béninois qui est en pleine réforme en vue de la généralisation du volet assurance maladie du projet Arche, projet phare du gouvernement dont la phase pilote a démarré il y a quelques mois. Je voudrais remercier le ministre des Affaires étrangères de la coopération pour avoir su conduire ce processus jusqu'à son heureux aboutissement. Madame l'ambassadrice, je voudrais également vous remercier pour votre grande implication dans le processus qui a abouti à cet heureux jour. Au nom des populations bénéficiaires de ce mémorandum et à mon nom propre, je voudrais témoigner ma profonde reconnaissance et celle du gouvernement avec en tête son chef, le président Patrice Talon, à vous et à votre cher pays. L'ambassadeur de Cuba près le Bénin, fier de cette nouvelle donne sur le plan sanitaire, voudrait bien que cela se pérennise. Je suis très heureux pour cet acte de signature du mémorandum d'entente parce que cet acte, c'est la consolidation de la volonté politique de notre deux gouvernements, la consolidation de la volonté politique du président Patrice Talon du Bénin et notre président cubain Miguel Díaz-Canel de renforcer la coopération bilatérale principalement dans le domaine de la santé. Quand vous connaissez la santé, c'est un facteur très essentiel pour le bien-être de la population et pour la puissance économique. Et j'espère que ça c'est le premier pas dans tout le travail que nous avons ensemble dans le futur. Ce nouveau lien donnera au secteur de la santé au Bénin un élan productif à partir des échanges de compétences et d'expériences. Une autre sportive dans cette édition, Esaïe Football Club a battu Génération Foot du Sénégal mercredi 30 octobre 2009 à Thiès, c'est dans la République sénégalaise. La rencontre entre dans le cadre du match aller du tour additionnel de la Coupe CAF. Les universitaires l'ont emporté 1-0 et prennent une belle option pour la phase des poules. Latif Bouni. Génération Foot du Sénégal contre Esaïe du Bénin, 90 minutes de jeu pour un petit but. Un but pour beaucoup d'espoir chez les universitaires et même chez tous les Béninois. Esaïe est le seul club encore en lice dans les compétitions CAF. Cette soirée de mercredi 30 octobre, Esaïe était à Thiès, presque en victime. Nous avons commencé depuis et beaucoup ne croyaient pas en nous. Parce que Esaïe, je dirais, c'est une petite équipe. Nous sommes rien que des jeunes et c'est maintenant, on vient de commencer. Quand le match s'engage, Génération Foot peine à noyer les universitaires. Mieux, les Béninois se montrent sereins, de quoi agacer les tribunes plutôt acquises à la cause des Sénégalais. Sérénité et remontée limpide de balle, c'est justement à ce jeu que Génération Foot s'est laissé prendre. Le but de Marcel Copon intervient à la 74e minute de jeu. Marcel buteur, un autre Marcel qu'il faut mentionner, Marcel Dandunou, le gardien des universitaires, une partie d'une tour infranchissable. Sa défense aussi exemplaire que lui
assure. Ouais, et on a commencé depuis, c'est vrai, on n'a pas encaissé. Il y a eu une très bonne défense. Et il faut être vraiment vigilant. Donc, l'objectif, c'est de venir faire encore du clean sheet, comme j'ai l'habitude de le faire. Et je rends grâce parce que j'ai réussi. Dans ces préliminaires qui mènent aux phases de groupe de la Coupe CAF, Esaïe a marqué 8 buts et n'a rien encaissé. Le match retour contre Génération Foot ici à Cotonou mardi prochain, Esaïe a toutes les raisons d'être serein. Oui, on peut dire mission accomplie, mais il faut reconnaître qu'on a encore 90 minutes encore à faire à Cotonou. Et puis, face à une équipe comme celle de Génération Foot, quand vous venez prendre une victoire là, il faut dire que c'est mission accomplie. Parce qu'en face, on avait un adversaire de taille. Ainsi va l'actualité ce 13h sur ETL, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Derrière cette édition se cache toute une équipe qui vous revient quand il sonnera 19h45 avec Brunel Adéossi. D'ici là, portez-vous bien.